Bienvenue à tous sur votre chaîne TV Actru France. Ce mercredi 11 septembre, la célèbre chanteuse Princesse Erika a fait une révélation inattendue sur le plateau de l'émission chez Jordan sur C8. L'artiste star des années 80, connue pour ses tubes comme Trop de Blabla, a surpris les téléspectateurs en annonçant ses récentes fiançailles avec son compagnon de longue date. La chanteuse de 60 ans, qui a plus de 40 ans de carrière à son actif, a également évoqué un passé douloureux, marqué par une relation abusive avec un homme violent. Lors d'une précédente apparition dans TPMP People en mars 2023, elle avait partagé ses expériences de violence physique et morale. « Moi, à l'époque, j'étais avec un homme qui me frappait », avait-elle confié à Mathieu Delormeau. Malgré ses épreuves, elle s'est reconstruite avec courage, soulignant que sa famille avait tenté de l'aider, mais qu'elle n'avait jamais porté plainte. Malgré ce passé difficile, Princesse Erika a trouvé l'amour et a récemment été demandée en mariage. Lors de l'émission de Jordan Deluxe, elle a déclaré avec enthousiasme « Je vais me marier ». L'animateur, surpris, a réagi avec un « Ah bon ?». La chanteuse a alors expliqué que son compagnon l'avait demandé en mariage pour son anniversaire. « Il m'avait dit, avant tes 60 ans, je te demanderai », a-t-elle confié, tout en révélant que la date du mariage n'était pas encore fixée, mais qu'elle envisageait de se marier au printemps prochain. Un amour de longue date. Quant à l'identité de son futur mari, Princesse Erika reste discrète, préférant garder son histoire d'amour privé. Elle a toutefois expliqué leur longue histoire d'amitié, on se connaissait depuis très longtemps. Lui, il m'aimait bien, mais je ne l'avais pas vu sous cet angle. Puis, après plus de 10 ans de séparation, on s'est revus et c'est là que tout a commencé. Après 16 ans de vie commune, la chanteuse s'apprête donc à franchir une nouvelle étape dans sa vie amoureuse, preuve que l'amour peut se révéler au moment où on s'y attend le moins.